regardez la jalousie, puis la sorcellerie, puis regardez-moi quelqu'un comme ça. Les mêmes combats par lesquels les gens ont passé pour aller traumatiser leur famille. Oh, deuxième pont en construction sur Obangala. Jusqu'à il y a un qui est venu m'écrire ça, c'est Obang ou c'est Obangala même. Il y a un qui est venu m'écrire ça dans mes commentaires là-bas. J'ai oui. J'ai dit que lol. Donc le jour que vous allez glisser avec nous, vous comprenez maintenant pourquoi la France ne nous met pas dans vos bêtises, vos pépettes que vous faites avec eux là. On est une menace pour eux. Même s'ils veulent laisser. Donc le Cameroun est une menace pour la France. Avec des gens comme ça au Cameroun, comment le Cameroun pourra se développer un jour? Comment on peut avoir le changement au Cameroun? Nous sommes, l'avenir de nos enfants sont en danger avec des cochons comme ça, des cochons comme ça. Comment il peut y avoir un changement au Cameroun un jour? La plupart des Camerounais sont encore en train de rêver. Ils sont dans les sommets très très profonds.